Babar, le jeune roi des éléphants, et sa femme, la reine Céleste, viennent de partir en ballon pour faire leur voyage de noces. En les regardant s'éloigner, les éléphants crient. Et le vieux Cornelius, qui est leur chef quand le roi n'est pas là, pense inquiet. J'espère qu'ils seront bien prudents, pourvu qu'il n'ait pas d'accident. La grande forêt est loin maintenant. Sans bruit, le ballon glisse dans le ciel. Babar et Céleste regardent le paysage. Quel merveilleux voyage pour un jeune ménage. Mais les couples vont léger, ma couronne va s'envoler. Céleste, regarde, la mer. Oh, qu'elle est bleue! Mais voilà que, poussé au large par le vent, le ballon est surpris brusquement par une violente tempête. Cramponne-toi à la nacelle. Oh, ça y est, j'ai perdu mes jumelles. Ah, si tu savais comme j'ai peur. Oh, je crois même que j'ai mal au cœur. Le ballon allait tomber dans l'eau quand, par une chance extraordinaire, un dernier coup de vent le jette sur une île où il s'aplatit dégonflé. Oh. Ah, mais tu n'es pas blessé? Ah non. Ah, eh bien, nous sommes sauvés. Ouf. Quelques instants plus tard, tandis que leurs habits mouillés sèchent sur une corde, Babar et Céleste, qui ont dressé leur tente et se sont assis sur de grosses pierres, mangent avec appétit une excellente soupe au riz, cuite à point et bien sucrée. C'était fameusement bon. Maintenant, ma chère Céleste, fais donc une petite sieste. Moi, j'explore les environs. Oh, quelle belle idée! En effet, Céleste, restée seule, s'est endormie profondément. C'est alors que les habitants de l'île de féroces sauvages cannibales l'aperçoivent soudain. Vous avez déjà vu une grosse bête comme ça? Non, jamais, mais ça doit être très bon à manger. Attrapons-la pendant qu'elle dort. La pauvre Céleste est ficelée avec la corde sur laquelle séchaient ses habits. Et autour d'elle, les cannibales dansent de joie. Il a délié Céleste et tous deux se précipitent sur les sauvages. Les plus courageux d'entre eux essaient de se défendre en leur envoyant des flèches, mais ils se disent... Ces grosses bêtes sont terribles, ma foi. Elles ont la peau très dure. Sauvons-nous très vite. Quand tous les cannibales ont été chassés, Babar et Céleste se reposent au bord de la mer. Tout à coup, juste devant eux, une baleine sort de l'eau pour respirer. Aussitôt, Babar se lève et dit « Bonjour madame la baleine, je suis Babar, roi des éléphants. Ma femme et moi sommes bien en peine, nous venons d'avoir l'accident. On nous attend dans notre ville, aidez-nous à sortir de l'île. » Et la baleine répond aimablement « Justement, je vais voir ma famille dans l'océan glacial du Nord. Je vous déposerai où vous voudrez en passant. » Montez vite sur mon dos et ne tombez pas dans l'eau! Prêt? Prêt! Je pars! Un jour plus tard, un peu fatigués, les voyageurs se reposent sur un récif. À ce moment, un petit banc de poissons passe et la baleine s'écrie: Je vais en croquer quelques-uns! Attendez-moi, je reviens! Elle plonge et disparaît. En mangeant les petits poissons,
elle a oublié ses nouveaux amis. C'est une étourdie. Mais Céleste pleure. Oh, nous étions mieux sur l'île aux cannibales. Qu'allons-nous devenir? Allons, allons, ma chérie, voyons. Courage! Après des heures passées sur le petit rocher sans rien à manger ni à boire, enfin un grand bateau, un bateau à trois cheminées, passe non loin d'eux. Babar et Céleste crient aussi fort qu'ils peuvent. Ils font des signaux avec leurs trompes, ils s'agitent. Va-t-on les voir? On les a vus. Un canot les recueille sous les yeux des passagers très excités. Une semaine plus tard, le gros bateau entre lentement dans un grand port. Tous les passagers descendent, tous, sauf Babar et Céleste, que le commandant a fait enfermer dans une écurie. Mais oui, comme ils ont perdu leur couronne dans la tempête, personne n'a voulu croire qu'ils étaient rois et reines. Babar est furieux. J'en ai assez, je vais tout casser. Nous voilà encore en panne, on nous traite comme des ânes. On nous fait manger du foin, on nous laisse dans notre coin. Oh, Babar, Babar, tais-toi, je t'en prie. Voilà le commandant. Voilà le commandant, en effet, accompagné du célèbre dompteur Fernando, portant son plus bel habit rouge. Mon cher ami, je ne peux garder ces éléphants ici. Si vous les voulez pour votre cirque, ils sont à vous. Mais que Fernando vous remercie qu'il va dresser ses nouveaux élèves à moins de deux. Allez, venez les enfants. Justement, au pays des éléphants, Arthur a eu une mauvaise idée. Tandis que le rhinocéros Rataxès faisait tranquillement sa sieste, il lui a attaché un gros pétard à la queue. Le pétard éclate avec un bruit terrible et Rataxès saute en l'air. Attends-là, attends-là, qui vive? Mais qu'est-ce que c'est? Au secours, au secours! Arthur, le garnement, rit si fort qu'il en étouffe presque. Oh, Arthur! C'est une très mauvaise farce. Cornelius, bien ennuyé, va trouver Rataxès et lui dit... Je suis désolé, mon cher ami. Arthur sera sévèrement puni. Mais Rataxès, furieux, répond... Méfie-toi, vieux Cornelius, je ne veux pas t'en dire plus. Et Cornelius, anxieux, se demande... Que va-t-il faire? Il est méchant. Ah, si Baba était présent. Mais Babar est maintenant au cirque Fernando et joue de la trompette pour faire danser Céleste. Arrive dans la ville où Babar, quand il était petit, a rencontré son amie, la vieille dame. Alors, la nuit, quand Fernando est couché, il se sauve avec Céleste. Retrouve facilement la maison et sonne à la porte. La vieille dame réveillée met sa robe de chambre, sort sur son balcon et demande... Qui est là? C'est nous! Ouvrez-nous! Oh! Mes chers petits éléphants, ah, c'est un bonheur trop grand. Venez tout me raconter et puis d'abord m'embrasser.
Et le lendemain matin, après une bonne nuit, Babar et Céleste, à qui la vieille dame a donné une chemise et un pyjama, prennent tranquillement leur petit déjeuner dans leur lit. Encore un croissant, Babar? Oh, volontiers. Et toi, Céleste? Oh, je reprendrai bien du chocolat, moi. Oh, mon Dieu, je crois rêver. Ne craignez rien, mes chers petits. Les mauvais jours sont finis. Et en effet, Fernando aura beau faire rechercher partout ses éléphants, il ne les retrouvera jamais. D'ailleurs, Babar a invité la vieille dame à venir voir la grande forêt. Et un avion les dépose bientôt tous les trois dans son royaume. Mais le pays est dévasté, méconnaissable. Il n'y a plus d'arbres, plus de fleurs, plus d'oiseaux. Cornelius va-t-il expliquer ce qui s'est passé? Hélas, mon pauvre Baba, nous vivons un vrai cauchemar. Depuis l'histoire du pétain, Rataxès et Furiba, et tous les rhinocéros nous font une guerre atroce. Atroce, atroce, atroce. Alors Céleste et la vieille dame s'écrient d'une seule voix. Nous voulons voir les blessés. Ils vont être bien soignés. Nous allons les dorloter. Ils seront bientôt sur pied. Pendant ce temps, Babar réunit tous les éléphants et leur tient le langage suivant. Mes chers amis, mes chers amis, avant la bataille, je vous demande de reprendre confiance et courage. Oh ben si Babar est là, nous sommes sauvés. Que les plus grands d'entre vous se rassemblent. Voilà. Leur peindrons la queue en rouge. Et sur leur postérieur, nous dessinerons deux grands yeux effrayants. Les rhinocéros vont avoir une de ces frousses. Il faut aussi confectionner d'immenses perruques rouges et vertes. Je confie ce travail à Arthur. Ainsi pourra-t-il se faire pardonner sa bêtise. Je vais m'y mettre sur le champ. Vous verrez, vous serez content. Pendant ce temps, dans le camp des rhinocéros, les soldats attendent tranquillement les ordres de Rataxès, le rancunier, qui dit en riant à son ami le général Pamir. Je vais faire la vie dure à ce galopin d'Arthur et puis tirer les oreilles de Babar et ses pareils. Rataxès a bien tort d'être si sûr de lui, car le jour de la bataille, au moment où les rhinocéros veulent pénétrer chez leurs ennemis, les éléphants déguisés sortent à reculons de leur cachette et en voyant ces énormes têtes surmontées de cheveux rouges ou verts, les rhinocéros terrifiés croient être assaillis par des monstres et s'enfuient à toute vitesse dans un grand désordre. Le stratagème a réussi. Les éléphants ont gagné la guerre. Pamir et Rataxès sont faits prisonniers. Babar est un grand général. Que la fête commence. Ah, comme tout le monde est content. Babar fait des projets d'avenir. Il dit à la vieille dame : je vais essayer d'être un bon roi. Et si vous voulez rester avec nous, vous m'aiderez à rendre mes éléphants heureux. Bonne chance, Babar. Et que la joie demeure longtemps dans la grande forêt. Au revoir. Et à bientôt.